On va reprendre, si vous voulez bien regagner vos places, s'il vous plaît. C'est bon, tout le monde regagne sa place. Donc, nous allons aborder la troisième et dernière séquence de la journée. Nous avons invité quelques acteurs de la formation des géosciences et nous les remercions d'avoir répondu présent. Et le but, c'est d'entamer avec vous une discussion sur les formations en géosciences, sur les métiers des géosciences, sur vos interrogations. Donc, Valérie Védrenne va animer cette session. Les différents interlocuteurs vont se présenter et puis ensuite, libre à vous de poser les questions qui vous semblent pertinentes sur les formations, sur l'adaptation des formations aux nouvelles exigences des métiers des géosciences dont on a parlé depuis le début de la journée. Donc voilà, Merci. Valérie, à toi. Donc bonjour à tous. Le micro marche, c'est parfait. Donc pour résumer la journée, parce qu'il y a quand même eu des séquences assez différentes, moi ce que j'ai retenu, c'est qu'en fait l'intelligence artificielle, ce n'était pas si intelligent que ça, et qu'on aurait toujours besoin de géoscientistes. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Ensuite, j'ai retenu que pour être start-upper, il fallait une idée, il fallait être enthousiaste, il fallait de l'audace aussi. Mais il fallait de sérieuses compétences. Et ces compétences, elles s'acquièrent soit par de l'expérience, soit par des formations. Et c'est donc le sujet qu'on va évoquer maintenant. Donc je remercie aussi tous les participants. Le format dont on dispose pour cette session, c'est 1h30. Donc ce qu'on a choisi de faire, c'est de ne pas avoir de slides préparés. Je vais donner à chacun 10 minutes pour se présenter, évoquer le parcours universitaire ou d'école ou l'alliance d'école qu'il représente, et puis des sujets qui lui tiennent à cœur. Et ensuite, on va garder 3 quarts d'heure pour une séance de questions-réponses avec vous. Et l'objectif, c'est bien ça, c'est qu'il y ait un échange entre vous et les participants. On a mangé ensemble ce midi, donc on sait qu'on a plein de sujets, qu'on a envie de discuter ensemble, mais l'idée, c'est que vous aussi, vous soyez partie prenante. En quelques mots, je vais me présenter, et parce que j'ai aussi demandé à chacun de le faire, il me semble que c'est intéressant pour les étudiants de voir des exemples de parcours, pas pour les recopier, parce qu'il y a autant de parcours que d'individus, mais parce que ça vous fait des bases de cas, des cas dans votre base de cas qui en contiendra plein, et puis vous créerez votre chemin vous-même. Donc, mon parcours en quelques mots, moi j'ai un diplôme d'ingénieur de l'ENSG de Nancy, puis j'ai suivi des études à l'IFP School, j'ai rejoint le groupe Elf Aquitaine et j'ai été géologue de sonde sur des chantiers pendant quelques années avant de travailler dans un groupe de synthèse. Et puis ensuite, on m'a proposé de rejoindre l'IFP School comme enseignante. Ce n'était pas prévu au parcours et c'est un élément que je voudrais partager avec vous parce qu'on n'a pas toujours des parcours qui sont prédéterminés et dans lesquels on a imaginé toutes les options qui pourraient se présenter. J'ai travaillé 13 ans à l'IFP School en enseignement, responsable de programme, en pédagogie et puis un petit peu en R&D. Et ensuite, j'ai eu la chance qu'on me propose un poste de responsable formation sur les métiers géosciences chez Total. Et je suis maintenant toujours chez Total comme conseiller métiers géosciences. Donc, je vais donner la parole à chacun d'entre vous et je vais être très sévère sur le timing pour qu'on puisse garder du temps de questions et réponses avec vous tous. Donc, Fabienne, c'est ton tour. C'est bon, là, ça marche, oui. Merci Valérie. Donc, moi, je suis Fabienne Giraud. Donc, je suis une universitaire. Je suis enseignante-chercheure au laboratoire ISTER à l'Université Grenoble-Alpes. J'ai fait mes études sur Lyon. Donc, j'ai une thèse en géologie, plus particulièrement en sédimentologie, cyclostratigraphie. Puis, je suis venue ensuite à la micropaléontologie. Je travaille maintenant sur les nanofossiles calcaires. Je m'intéresse à la production, l'émergence de la production carbonatée pélagique. Et je m'intéresse également à tout ce qui est événements anoxiques et reconstitution paléocénographique. J'ai donc, comme je vous le disais, j'ai commencé mes études à Lyon. J'ai ensuite été enseignant-chercheur à Lyon et je suis maintenant depuis 9 ans sur l'Université Grenoble-Alpes, donc au laboratoire ISTER.
Au cours de mon, on va dire, de mon parcours, je me suis intéressée beaucoup en termes de formation quand j'étais sur Lyon à former les futurs professeurs de sciences naturelles et puis arrivée sur Grenoble. Alors ma discipline était très peu représentée, hein, je suis dans un très gros laboratoire où l'on fait du risque sismique, du bassin sédimentaire, de la chaîne de montagne, formation des chaînes de montagne. On fait également tout ce qui est géochimie de l'environnement avec tout ce qui est cycle de l'arsenic, du mercure. Et quand je suis arrivée, il y a une formation professionnalisante qui s'était montée qui s'appelle prospection et protection des ressources souterraines. Et en fait, à cette époque-là, il y avait donc une géophysicienne qui s'occupait de cette formation et qui cherchait un géologue ou une géologue pour former un binôme. Et donc, en fait, j'ai commencé à participer aux cours dans cette L3 Pro, au cours de géologie. Et puis, il y a 5 ans maintenant, je suis devenue, avec ma collègue géophysicienne, co-responsable de cette L3 Pro. Et c'est cette L3 Pro dont je vais vous parler maintenant. Donc, cette licence professionnalisante, elle s'appelle Prospection, protection des ressources souterraines. Cette année, c'est la 11e promotion. Elle avait été au départ, on va dire, impulsée sous l'égide de groupes pétroliers comme Total parce qu'il n'existait pas au niveau universitaire de formation professionnalisante qui se fasse en alternance à la fois universitaire et entreprise. Donc c'est une formation en alternance qui se déroule sur une année. Hein, donc au niveau L3, le rythme de l'alternance est 1 mois en entreprise, 1 mois sur l'université. Les étudiants que nous recrutons, bah, ils sont soit issus de L2 ou de L3, soit issus de BTS, de géologie appliquée. Ils peuvent être aussi issus d'IUT de mesures physiques, parce que la spécificité plutôt de notre L3, c'est finalement de former, on va dire, des techniciens supérieurs avec une double compétence géologie-géophysique qu'on peut leur apporter avec les forces vives que nous avons dans notre laboratoire, puisqu'on est un laboratoire de 280 personnes, hein, donc c'est un très gros laboratoire où il y a beaucoup de géologie, beaucoup de géophysique. Donc à cette double compétence géologie-géophysique, on ajoute également tout ce qui est géomodeleur, hein, avec le traitement des SIG, et puis on fait également de l'hydrogéologie, parce que on a aussi la chance d'être dans ce qu'on appelle un observatoire des sciences de la Terre et de l'univers, et donc d'avoir aussi un laboratoire partenaire qui s'appelle l'Institut des géosciences de l'environnement. Et là, on a des intervenants qui peuvent intervenir sur l'aspect, on va dire, hydrologie, hydrogéologie. Bien sûr, on a 25% de nos enseignants qui sont des professionnels, qui peuvent être issus soit de petits, on va dire, bureaux d'études environnant du bassin grenoblois, et on a aussi des intervenants industriels qui viennent de gros groupes comme Total, Schlumberger, etc. Donc cette EL3 Pro, comme je vous disais, elle a été initiée au départ, impulsée par Total, et on a vu au fur et à mesure des années se modifier, on va dire, les secteurs d'activité de nos stages en entreprise. Je m'explique. Au début, effectivement, on a une petite formation, hein, c'est une formation volontairement limité, parce qu'on fait beaucoup de terrain, un tiers de la formation se fait sur le terrain, donc on a en gros 14 apprentis, et on a un ou deux contrats pro en plus. Et donc au départ, on avait à peu près de la moitié des apprentis qui étaient pris chez Total. Et ça, c'est quelque chose qui a évolué au cours du temps. Maintenant, avec l'offre que l'on peut avoir en ce moment en géotechnique, eh bien on a vu progressivement de plus en plus d'apprentis être pris en géotechnique. Et c'est vrai que maintenant, si je prends la promotion là, qui va démarrer cette année, on va démarrer au mois de novembre au niveau de l'université, eh bien on a 3 apprentis en gros qui sont en hydrogéologie, 3 apprentis qui vont être en géophysique géotechnique, hein, parce que sur le bassin grenoblois il y a pas mal de risques gravitaires et de risques sismiques, donc on a beaucoup de gens qui vont intervenir dans des bureaux d'études sur des aspects protection d'ouvrage. Et le reste se fait en géotechnique. Voilà, donc comment est-ce qu'on démarche nos étudiants? Puisque je vous ai dit tout à l'heure, eh bien, ils viennent de BTS de géologie appliquée, de licence. Alors qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'attirer les étudiants en L3? Eh bien, on fait du démarchage, c'est-à-dire que
on va, avec ma collègue, présenter notre formation. Alors, on le fait au niveau de l'université déjà. On démarre en première année. On démarre aussi en deuxième année avec une UE, en deuxième année de licence sciences de la Terre, avec une UE de pré-professionnalisation qui montre un petit peu ce qu'on fait dans cette EL3 Pro. On va démarcher les universités environnantes, c'est-à-dire qu'on va faire une présentation à l'université de Lyon, à l'université de Chambéry, et on démarche également les BTS de géologie appliquée. Et puis, on essaye d'aller, depuis maintenant au moins 3 ans, au salon Géologia au mois de novembre. Voilà, là aussi, on va dire qu'on a une population qui a évolué sur le recrutement de nos étudiants. On avait beaucoup, beaucoup de BTS de géologie appliquée. On n'avait pas suffisamment trouvé d'étudiants qui venaient, on va dire, d'un parcours plus universitaire. Et c'est vrai que là, c'est pareil, on a quelque chose qui évolue. Avec ce démarchage, on voit arriver finalement plus d'étudiants venant de L2 ou de L3 sciences de la Terre. Et puis, on peut aussi avoir des étudiants qui viennent d'ailleurs. Hein. Ça, c'est aussi une richesse dans cette formation, c'est-à-dire que ce ne sont pas que des BTS ou que des L2. On a aussi des gens qui reprennent des études, qui valident en fait leur expérience professionnelle. Et cette année, par exemple, on a un auto-entrepreneur qui reprend ses études, qui a 49 ans, qui va démarrer avec nous. Donc, on peut avoir comme ça un panel, on va dire, d'apprentis ou de contrats pro assez variés. Et ça amène une certaine richesse à cette formation. Voilà. Bonjour, je m'appelle Bertrand Maillot. Je suis professeur au laboratoire Géosciences et Environnement Cergy. Je suis aussi le directeur de ce laboratoire, qui est beaucoup plus petit que Grenoble. Nous, on est 25 à peu près, en comptant les post-docs et les thésards, 12 enseignants-chercheurs permanents. Et notre spécialité, disons, de recherche est à la fois du côté de la physique des roches. Donc on étudie les roches à petite échelle, propriétés utiles pour l'activité industrielle. Et puis, à grande échelle, on a des géologues géodynamiciens et tectoniciens qui travaillent donc sur les grandes échelles et des formations continentales. Mon parcours, d'abord, on avait dit, mon parcours personnel, vite fait, il est très simple, pour ne pas dire monotone. Je suis un pur produit universitaire. J'ai fait une licence à Jussieu, là, dans le quartier, à Paris 7, en mathématiques d'abord, et puis après, je suis dirigé vers une licence de sciences de la Terre. J'ai fait le magistère de sciences de la Terre. À l'époque, c'était un diplôme un peu sélectif où l'école normale supérieure ouvrait ses portes à quelques étudiants sélectionnés pour faire une maîtrise à la double géophysique-géologie. J'ai goûté à la géologie à ce moment-là. Je dois dire que je suis reparti en master, ensuite en géophysique. Géophysique interne à l'IPG, l'Institut de physique du globe, où j'ai fait une thèse en laboratoire de sismologie avec le professeur Albert Tarantola, et où j'ai appris plus que de la technique, une esthétique scientifique, je dirais, autour de l'imagerie scientifique, autour de l'imagerie géophysique du sous-sol. Ensuite, traditionnellement, on doit faire un post-doc, c'est-à-dire aller travailler à l'étranger quelques années. Je suis allé à l'université d'Édimbourg, où j'ai fait de la simulation numérique, c'était aussi le sujet de ma thèse. Donc j'ai une approche, moi, un peu ancienne, physicienne, qui est à dire, c'était un des triangles présentés ce matin, c'est celui qui avait la tête en bas, le triangle, l'approche physique. On regarde les phénomènes dans les processus, et on essaye de les simuler avec des ordinateurs, des techniques numériques qu'on développe, pour arriver à des simulations des phénomènes physiques. Donc pas du tout une approche data, comme celle dont on a parlé ce matin. Ensuite, j'ai trouvé un poste à l'université de Cergy-Pontoise en 1998, où je suis toujours. Donc après plus de 20 ans maintenant. Ce qui est assez propre aux enseignants-chercheurs, je voyais la façon dont les entrepreneurs aujourd'hui, ce matin, etc., ont des CV extrêmement, j'allais dire bousculés, mais je sais pas, enfin, tous les 3 ans, on change d'activité. Nous, on est un peu comme des moines dans un monastère. On rentre, on travaille dans la spécialité presque pratiquement toute notre vie, souvent au-delà de la retraite, puisqu'il y a des professeurs émérites dans les laboratoires. Voilà pour l'aspect personnel. Et donc, c'est un petit laboratoire de géosciences à Cergy qui propose une licence assez classique de sciences de la Terre.
Et puis trois masters jusqu'à maintenant, des masters en environnement, assez loin de nos domaines de recherche, un master en responsabilité sociétale des entreprises et communication, où on recrute donc en master 1 des biologistes, des chimistes, enfin des physiciens, et bien sûr aussi des géologues. Un master en éco-conception et gestion des déchets, là encore assez loin de la géologie. Un master en éco-construction, que ce soit des bâtiments écologiques ou des quartiers entiers de ville. Et puis enfin, on ouvre depuis cette année, la première promotion de master 2 est présente en partie ici dans la salle, qui s'appuie, donc un master qui s'appuie vraiment sur notre recherche, où on pousse les étudiants à être formés donc à la fois sur les propriétés physiques des roches à petite échelle et la géologie, la géodynamique à grande échelle, la géologie des bassins sédimentaires essentiellement. La licence et le master de Géocène, il s'appelle Géosciences pour l'énergie, est un master qui en même temps prend en compte l'aspiration sociétale et sociale des jeunes aujourd'hui, qui est de travailler pour l'environnement globalement et pas seulement pour produire du pétrole qui est polluant, des hydrocarbures polluantes. Et donc, bien sûr que nous, dans notre laboratoire, on travaille beaucoup avec l'industrie, on a beaucoup de contrats industriels, c'est l'essentiel, les trois quarts de nos ressources financières pour travailler, notamment avec Total, beaucoup. Et on s'est dit, comme l'a expliqué El Khatib tout à l'heure, eh bien, tout ce qu'on sait faire dans les hydrocarbures, finalement, on peut l'appliquer aussi au stockage souterrain, au problème aussi de géothermie. Donc c'est vers ça qu'on ouvre maintenant notre recherche et nos formations pour répondre à ça. Tout ça, c'est enveloppé, et c'est pour ça que je suis invité aussi ici, de ce qu'on appelle un cursus master ingénierie. C'est une formation sélective où on sélectionne des étudiants en première année sur leur dossier du bac, sur dossier donc, et puis ils rentrent là et l'idée c'est qu'ils arrivent jusqu'au master 2, donc ils font 5 ans de formation, un peu comme une formation d'ingénieur. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce CMI, cursus master ingénierie? Eh bien, ça veut dire que ils suivent la licence normale, le master 1, le master 2, tous les enseignements, et ils ont en plus 20% de plus de cours qu'on appelle ouverture socio-économique et culturelle, qui donc ont pour objectif de les former au métier d'ingénieur. Voilà. Et donc, la première promotion est en M1 pour nous, CMI. Des CMI en géosciences, il y en a 7 en France actuellement, du nord de Lille jusqu'à Pau. Voilà, je pourrais vous le développer un petit peu si vous le souhaitez. Donc il y a peu de recul encore sur le devenir des étudiants, hein, on ne peut pas dire. Il y a d'ailleurs dans la salle un groupe aussi d'étudiants de deuxième année du CMI à Besançon, avec un professeur. Ils sont là pour faire un projet sur l'intelligence artificielle. Bravo d'être venu depuis Besançon, c'est super. Voilà, j'espère que... Peut-être, puisque tu bénéficies d'une stabilité dans ton environnement, nous dire quelles évolutions tu as pu observer dans les enseignements, dans les compétences et contenu des formations au cours des 20 dernières années. Ah oui, c'est vrai qu'on avait parlé de ça. Je dirais que l'aspect naturaliste, qui était très fort en géosciences quand j'ai commencé, la cartographie, le travail de terrain de base, dessin, cartographie à la main, etc. Tout ça maintenant glisse vers des outils de systèmes d'information géographique, par exemple. Donc ça, c'est des nouveaux outils qui sont bien sûr enseignés maintenant. Ça, c'est une évolution très nette. Par ailleurs, il y a aussi une évolution, je dirais, sur l'analyse, les techniques d'analyse de roches. En gros, le métier de géologue est de plus en plus quantifié. La lame mince, qui est toujours un outil de base pour étudier les roches, maintenant est enrichi de beaucoup plus d'appareils d'analyse. À Cergy, on a par exemple une plateforme microscopie et analyse, avec un MEB couplé à un Raman, et avec un certain nombre d'autres technologies là-dessus. Et donc on va faire des analyses de roches finalement beaucoup plus fines et beaucoup plus physiques et physico-chimiques. Ça aussi, c'est un aspect important.
Et enfin, le troisième, je dirais, c'est tout le numérique. La partie intelligence artificielle, etc., c'est pas encore développé dans l'enseignement. Les réseaux de neurones, c'est encore peu présent. Bien que j'ai fait ma thèse, moi, donc chez Albert Tarantola, et à l'époque, on avait déjà un thésard, je me souviens, sur les réseaux de neurones. C'est des choses dont on était conscient, mais qui n'ont pas encore atteint ça. Et ce qu'on fait, c'est plutôt l'approche physique, processus, simulation numérique, modélisation numérique. En gros, j'apprends à mes élèves comment résoudre des équations différentielles pour faire de la simulation numérique. Et ça aussi, c'est des aspects, disons, qui étaient beaucoup moins présents il y a une vingtaine d'années. Donc, on va vers le numérique et l'analyse physico-chimique des roches. Voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Judith Sauce, directrice de l'École nationale supérieure de géologie de Nancy. Par contre, je vais me présenter individuellement, mais je suis là avec cinq têtes, puisque je vais représenter l'Alliance des écoles d'ingénieurs en géosciences, avec l'NCJ à Bordeaux, Alain Dupuis qui est derrière et son directeur. On a Polytech Sorbonne Sciences de la Terre qui est représenté également. On a l'EOST à Strasbourg, l'école et observatoire des sciences de la Terre. Je crois qu'ils, par contre, ils se sont... Tu es là, voilà. Florence qui est là-haut, sa directrice des études. Et UniLaSalle, notre partenaire, qui est également dans le domaine des géosciences. Donc on a décidé, nous, de s'associer en une alliance des écoles d'ingénieurs en géosciences, parce qu'on pense qu'on a des challenges à relever actuellement sur les métiers qui évoluent. Et on s'est dit que ça serait peut-être intelligent de raisonner tous ensemble sur ces nouveaux métiers, sur les besoins d'information qu'ils génèrent et sur les compétences qu'on va devoir formaliser, hein, j'en parlais tout à l'heure, dans l'esprit, on va dire, maintenant très professionnalisant qu'on nous impose de France Compétences, avec voilà, des référentiels de compétences qu'on doit pouvoir traduire à la fois pour les élèves, donc de façon très fine, et à la fois pour nos partenaires industriels. Voilà. Donc je me présente personnellement à nouveau. Donc moi j'ai un cursus aussi pur universitaire, donc je finis dans une école d'ingénieur, mais je suis une pure universitaire, avec un profil qui a un peu évolué, puisque j'ai commencé par un DEUG en géologie, ça parle plus à personne, hein, les DEUG, etc. Mais et, si ça va, à certains, je pense aux étudiants qui sont dans la salle. Ensuite, j'ai enchaîné plutôt sur une licence de physico-chimie des minéraux et matériaux, parce que j'avais envie de ces aspects un peu plus physico-chimiques, et j'ai pu passer un débat et une thèse en géophysique des réservoirs fracturés avec une spécialité en géothermie profonde, EGS, pour les connaisseurs. Et donc, je suis aussi une modélisatrice, c'est-à-dire que je travaille beaucoup en géomodélisation 3D, avec l'appui d'un logiciel connu peut-être qui est SCUA GOCAD, qui a été développé à l'école de géologie, et qui est une de nos fiertés, en tout cas, voilà. Donc, j'ai fait toute ma carrière, donc à partir de 2000, j'ai été nommée maître de conférence, puis j'ai évolué progressivement. Et puis en 2011, je me suis dit que pour faire l'innovation, et je reprends ce qu'a dit Habib tout à l'heure, il faut être perturbé, il faut être choqué, il faut être un petit peu challengé. Et finalement, je trouve que les plus challengers dans notre métier, c'est les élèves, et je pense que c'est important qu'on soit à leur contact. Je me suis toujours considérée comme enseignant-chercheur avec un grand E majuscule, et je pense que c'est important de l'avoir. Il faut évidemment, par contre, dans nos métiers, garder le lien formation-recherche. Nous sommes tous des écoles qui dépendent d'universités. Ce matin, on a évoqué d'ailleurs cette problématique de la recherche en intelligence artificielle, par exemple. Nous sommes associés à des laboratoires de recherche. Tous nos enseignants sont des enseignants-chercheurs, et donc je pense qu'on ne peut pas dissocier formation-recherche, hein, clairement. Donc ça transpire dans nos formations. Et typiquement, l'évolution des métiers vers ces aspects numériques, si je parle de ceci en particulier, il nous concerne toutes les cinq écoles, hein, puisqu'on a tous les mêmes problématiques. La question qu'on peut se poser, elle a été un peu évoquée par l'intervenante Total aussi, c'est est-ce qu'on veut des data scientists, est-ce qu'on veut des géoscientists, est-ce qu'on veut des data scientists un peu géoscientistes, où est-ce qu'on met le curseur? Et donc, ça, c'est pas toujours évident à placer. De notre point de vue, on part du principe qu'il nous faut quand même des ingénieurs avec des bases solides. Donc on préfère éventuellement former des géoscientistes qui sont évidemment ouverts à ces aspects numériques, mais de mon point de vue, il est préférable qu'on finalise un cursus, mais qu'on le complète, c'est-à-dire qu'on puisse proposer une double compétence à ces élèves-là. Donc cette double compétence, elle peut être faite au travers d'un stage de fin d'études, par exemple en dernière année d'ingénieur. Elle peut être faite aussi comme on ferait un MBA. Et par exemple, typiquement, on a des masters en intelligence artificielle ou analyse des données sur la faculté des sciences de Nancy, pour mon exemple, qui sont ouverts à nos élèves avec des cursus adaptés qui peuvent leur permettre d'avoir une quatrième année. Ça fait des études qui se poursuivent. Mais finalement, c'est une demande de plus en plus prégnante de nos partenaires. Je pense à Total en particulier, avec qui on discutait, qui...
aime beaucoup ces profils un petit peu, hein, double compétence, à nouveau sans brader la formation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est des écoles en 5 ans, pour certaines, donc post-bac, mais pour 3 d'entre nous, on est des écoles après classe préparatoire. Donc, c'est-à-dire qu'on récupère des élèves après bac plus 2. Ces élèves-là, quand ils rentrent en école d'ingénieur, ils vont avoir des contraintes de mobilité internationale, de stage, de projet. Et finalement, si on regarde l'un dans l'autre, on les a quasiment que 18 mois dans les mains pour leur donner une formation finalement spécialisée en géosciences. En sachant que les géosciences, et vous êtes bien placés pour le savoir, ça balaye vraiment un grand champ de disciplines. En particulier pour l'école de géologie, on balaye toutes ces disciplines et ces approfondissements, mais ils demandent du temps. Donc on a plutôt choisi le parti de garder ce profil géoscientiste qui nous paraît être la base de travail, et puis éventuellement de pouvoir proposer des accompagnements vers le numérique grâce à, entre autres, à nos collaborations avec les laboratoires de recherche. Non, je crois que j'étais trop longue. Donc moi je pense que l'important, et c'est le point commun de nos écoles, c'est aussi qu'on est capable d'amener nos élèves du terrain, vraiment ils touchent la donnée, ils connaissent les incertitudes, ils savent qu'il y a des aléas, ils savent travailler des systèmes sous-déterminés, et on les emmène jusqu'à la modélisation 3D, à la modélisation physique, et ça il faut absolument qu'on préserve, c'est-à-dire qu'on a besoin effectivement d'avoir cette notion de c'est quoi la donnée, on en a parlé ce matin, et je pense que ça c'est fondamental. J'ai vu beaucoup de gens appuyer sur des boutons et finalement lancer des algorithmes pour quelque chose qui ne se préoccupe pas de la donnée initiale. Donc si la donnée n'est pas propre au départ, c'est vrai que ça pose problème. Donc je pense que nos ingénieurs géologues, ils doivent avoir ça en tête, ils ont cette connaissance de cette problématique de la donnée. Donc ça c'est important. Et puis, cette analyse systémique terrain, finalement, modèle, elle est importante, jusqu'à à nouveau l'analyse des données numériques. Elle doit s'accompagner de plus en plus maintenant par une prise de conscience de nos élèves qui arrivent et qui toquent là, en disant « nous, on ne veut pas faire de pétrole, nous, on ne veut pas faire de mine ». Donc on a un devoir, nous, vraiment important de pédagogie à avoir pour leur expliquer effectivement qu'un réservoir, il peut contenir autre chose que du pétrole, on peut faire de la géothermie, du stockage. Donc ça, c'est vraiment notre devoir de pédagogue. Mais il y a aussi la notion sociétale qui est de plus en plus importante. Le géologue, c'est celui qui est en première ligne, finalement, sur un projet minier, par exemple. Donc il faut absolument qu'on leur montre que de temps en temps, ça coince. De temps en temps, il y a des controverses, il y a des polémiques. Et ça, c'est une problématique qu'on commence à adresser de plus en plus. L'éthique, typiquement, c'est vraiment important dans le métier. Donc j'allais dire, on va balayer tous ces champs de la donnée de terrain au numérique, et puis on va mettre un peu plus de dorénavant finalement de contenu, je dirais SHS, hein, sciences humaines et sociales, dans nos cursus. Après, à nouveau, les écoles d'ingénieurs en France, c'est un petit peu particulier, puisque vous savez peut-être qu'on est complètement contraint par ce qu'on appelle la commission des titres de l'ingénieur, qui nous demande de mettre 15% de disciplines, on va dire économie, gestion, les disciplines ingénieurs. Et donc on a des cadres comme ça qui ne sont pas toujours faciles à suivre, en sachant que dans nos écoles, on a des emplois du temps qui sont extrêmement riches. Donc la problématique qu'on a, je pense, dans le futur aussi, c'est de se dire, si on veut adresser toutes ces problématiques de numérique, de social, de garder notre spécialisation, de former encore des bons géologues, ben, comment on fait dans nos emplois du temps? En France, on a une politique du présentiel, on les met sur les bancs de classe, on leur donne des cours, et puis finalement, est-ce que c'est la bonne méthode? Quand on compare avec les systèmes anglo-saxons, il y a beaucoup plus de projets personnels, de travail un petit peu en autonomie. Donc ça, c'est des choses qu'on ne sait pas encore bien faire de notre côté. On a cette politique, cette culture de « on doit être en cours, on doit faire des TD ». Et donc ça, c'est un problème qu'on doit faire face, et surtout si on veut accompagner l'évolution des métiers. Nous, on ne pourra pas tout faire. Donc il faudra qu'on choisisse et qu'on le fasse judicieusement. Voilà. Bien, bon, bonjour à tous. Je suis Eric Marcoux. Je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de temps à parler. J'ai un petit peu de temps. Tout mon temps, 10 minutes, parce que j'ai été favorable à la thèse en 180 secondes pour les étudiants. Je ne pensais pas que j'aurais un jour à m'y soumettre avec le CV en 5 minutes. Bon, je vais essayer quand même. Donc moi, je suis un pur produit universitaire. Je suis diplômé de l'université de Clermont-Ferrand. Je ne vous dirai pas en quelle année, de thèse de 3e cycle, puis ensuite un doctorat d'État, ce qui a maintenant été remplacé par l'HDR, donc l'habilitation à diriger des recherches. Et donc, j'ai commencé ma carrière avec 16 ans de BRGM à Orléans. Donc, je pense que vous connaissez tous le Bureau de recherche géologique et minière. Donc, ce qui m'a permis d'avoir une expérience en ressources minérales. Donc, j'ai été intégré et puis responsable de projets d'exploration en Europe, Maroc, Pérou, Canada, Australie, bon, etc., etc. Ce qui m'a permis de voyager beaucoup et surtout de me forger une expérience et de travailler très longtemps au sein du BRGM, où j'ai toujours, heureusement, de bons amis. Donc, et puis, en 98, bon, j'aspirais à un peu plus de stabilité aussi. Donc, un poste de professeur s'est ouvert à l'Université d'Orléans, qui souhaitait justement
développer tout ce qui était ressources minérales. Donc j'ai postulé et puis j'y ai été pris et j'y suis toujours. Donc c'est pas monacal pour autant, hein, non, ça se passe bien. Il y a une bonne ambiance. Oui, si on veut. Donc j'ai pu faire ça et je suis toujours à l'Université d'Orléans, plus précisément à l'OSUC, Observatoire des sciences de l'univers en région centre. Donc c'est un observatoire, donc ça veut dire que c'est des statuts un petit peu particuliers. Nous sommes évidemment attachés et même fortement liés à une équipe de recherche, donc l'ISTO, hein, sur lesquelles on travaille parmi d'autres thématiques. Les ressources minérales, ça reste le point fort d'Orléans, surtout que de l'autre côté de la rue, nous avons le BRGM, avec qui il y a une synergie depuis longtemps et qui s'est accentuée depuis quand même une bonne dizaine d'années. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose ? Aujourd'hui, on propose notamment 4 masters à l'OSUC, dont 2 qui intéressent les sciences de la Terre, dont 1 qui est géré par des collègues qui est en environnement et en hydrogéologie, donc j'en parlais pas beaucoup parce que c'est pas ma spécialité, et un autre qui s'appelle aujourd'hui GCube, géoressources, géomatériaux, géodynamique, qui est axé sur les ressources minérales. Donc ce master ressources minérales, on l'a créé il y a 20 ans, en 2001, avec un collègue de l'UQAM de Montréal, et donc depuis ce temps, nous envoyons donc à peu près entre 10 et 14 étudiants tous les ans à Montréal, de fin août jusqu'à moitié mi-décembre, pour que ces étudiants donc se familiarisent avec ce que c'est qu'un vrai pays minier, avec des mines actives, avec une industrie minière, avec des professionnels, etc. Et ensuite, ils terminent leur cursus donc à Orléans, donc dans les carrières, évidemment, dans les minéraux industriels. Parce que, évidemment, vous savez aussi bien que moi que les mines en France, c'est pas trop ça. Beaucoup ne souhaitent pas travailler à l'étranger, ce qui est tout à fait recevable. Donc, on a largement diversifié cette formation en justement les aiguillant également sur tout ce qui est carrière et minéraux industriels, hein, pour que justement ils puissent au moins avoir ces formations. Et bon, on a un taux de placement qui était longtemps excellent, à plus de 95%. Ça s'est un peu tassé depuis une dizaine d'années, on pourra en reparler. Mais il y a eu un regain de taux de placement depuis 10 ans, depuis que notre master est justement en synergie très profonde avec le BRGM. Donc, et depuis, on collabore. Ils interviennent énormément dans notre formation et ça nous permet effectivement d'avoir des échanges très fructueux avec le BRGM. Alors, parmi nos caractéristiques, c'est le terrain. On est resté très en amont. On favorise beaucoup de terrain, beaucoup de camps de terrain, beaucoup de visites, pas seulement des visites, des études d'exploitation, etc. Et ça, on va continuer à le faire tant qu'on pourra. On continuera à le faire parce que bon, c'est la donnée. Bon, Judith Sauce a dit tout à l'heure, c'est vrai que si la donnée de départ n'est pas propre, tout le reste n'est pas propre non plus. Donc ça, on le privilégie, on continue. Hein. C'est un peu difficile depuis quelques temps parce que les coûts montent, mais on continue quand même à privilégier ce terrain et à former des étudiants qui aussi, bien évidemment, savent se servir des logiciels. On a des formations en SIG, en intelligence artificielle, pas encore, mais en outils informatiques, bien sûr. Sinon, aujourd'hui, ce n'est même pas la peine d'essayer de passer des étudiants s'ils ne savent faire que le terrain. Mais c'est une composante qui est majeure. Donc, c'est pour ça qu'on pourra en parler un peu plus en détail si vous le souhaitez. Voilà. Et si vous avez des questions, eh bien, nous sommes là. Est-ce que vous voulez d'ores et déjà poser des questions ou est-ce que j'en pose une à Eric ? Tu avais dit, Eric, que tu étais intéressé par le placement des étudiants. Oui. Et les débouchés, je ne sais pas si tu veux en parler maintenant ou si on abordera le sujet plus tard. Oh, je peux en parler maintenant. J'ai amené 2 slides, un camembert. Où est-ce qu'on les place, nos étudiants ? Bon, jusqu'à maintenant, dans ce diplôme, depuis 18-19 ans, c'est la 19e promo, donc 18 promos qui ont été. On a plus de 200 étudiants qui sont placés. C'est facile. Société minière, on en a 39%. Compagnie minière. C'est quoi les compagnies minières qu'emploient nos étudiants ? Le Canada. Il y en a un bon morceau, je ne sais pas, ça dépend des années, qui retourne au Canada. C'est aussi Orano. Orano, nous en avons embauché beaucoup au début, jusqu'en 2010, tant qu'ils ont fait de l'exploration. Et c'est aussi la Nouvelle-Calédonie, la SLN, Koniambo et d'autres. Ensuite, c'est 15% minéraux industriels et carrières. En première position, Imerys. On a une dizaine d'étudiants, d'anciens étudiants, qui sont chez Imerys, certains à des niveaux de responsabilité importants. Et les matériaux de carrière. Bon, un de mes gros travaux, c'est de convaincre mes étudiants de master que les carrières, ça peut être très intéressant, c'est très diversifié, et c'est un boulot dans lequel on demande effectivement du monde. C'est, bon, ici, l'auditoire, je ne vous connais pas, mais mes étudiants, ils considèrent les carrières comme vraiment le dernier choix. Ils ont tort. Hein, ils ont tort. Donc, on essaie de les convaincre du reste.
16% ont poursuivi en doctorat. Ils ont eu l'opportunité de faire une thèse. Bon, bah, c'est des choix, hein, c'est tout à fait bien. Donc, ils ont continué en doctorat et ensuite, la plupart ont embrayé sur un travail. 12%, c'est des bureaux d'études, environnement, géotechnique, etc. Donc ça, c'est Orléano-Orléanais. Et je serais très intéressé à avoir des camemberts, les mêmes, pour tous ceux qui fabriquent également des étudiants dans ressources minérales. Où est-ce que vous trouvez des embauches pour les étudiants et pour les responsables? Quels sont vos bassins d'emploi? Ça m'intéresserait d'en discuter pour qu'on puisse voir si on peut développer des synergies ou si au contraire, bon, les compétences sont trop différentes. On nous oppose souvent, évidemment, aux écoles des mines. Je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'on est complémentaires au niveau des formations et que c'est une synergie et une symbiose qui est tout à fait adaptée. Bon, maintenant, on peut en discuter. Merci. Donc, il y a un message qui est lancé à tous ceux qui ont un rôle dans l'enseignement, qu'ils soient dans des écoles d'ingénieurs ou dans des universités. Partagez vos infos parce que ça sera pour le bénéfice de tous. Oui, je ne cherche pas de travail, hein, je vous rassure. Donc, ce n'est pas pour moi. Alors, merci à vous d'avoir respecté votre timing. Tu veux rebondir? Je veux réagir. Moi, je n'ai pas amené mes camemberts. Je fais sens. Non, je pense que ça peut être pas mal, effectivement, d'avoir une vision globale des débouchés. On va être à peu près sur les mêmes styles de pourcentage. Peut-être, moi, je vois, en tout cas pour l'école de géologie, des débouchés qui commencent à aller aussi vers le conseil. Ça, c'est assez nouveau. Donc, des métiers de conseil, finance, enfin, des élèves qui se placent aussi dans ces débouchés-là. Mais sinon, effectivement, les grands thèmes sont balayés. Et avec aussi des choses qui évoluent. Par exemple, quand on dit géotechnique, on ne pense pas forcément tout de suite à data mining ou intelligence artificielle, si. Et donc ça veut dire qu'il y a aussi des évolutions comme ça, des métiers types qui se voient en termes de débouchés derrière. C'est-à-dire qu'on nous demande ces compétences-là qu'on ne nous demandait pas effectivement avant. Donc, D'accord, merci. Qui veut poser dans l'Assemblée une première question? On va garder celui-là, je vais donner mon micro et puis c'est celui-là qui va s'y. Je voulais justement rebondir sur ces personnes qui peuvent être en conseil, par exemple, ou qui sortent un peu du domaine des géosciences, à savoir justement, est-ce que on peut pas, enfin, est-ce qu'une des pistes d'utiliser les géosciences comme sujet d'étude pour développer des compétences qui, elles, vont être ensuite utilisées par les étudiants dans d'autres secteurs qui n'ont rien à voir justement avec les géosciences? Oui. À nouveau, quand on parle d'aléas, d'incertitudes, de systèmes sous-déterminés, c'est des choses, la complexité, c'est des mots-clés de l'entreprise, quel que soit le domaine. Donc je pense qu'effectivement, qu'une fois qu'on s'est confronté au terrain, on a ces compétences-là qui peuvent être transposées dans d'autres domaines. Hein, voilà. Enfin, clairement. Hein, mais est-ce que du coup, le travail qu'il y a à faire, c'est pas plutôt d'essayer de vendre auprès des entreprises ces compétences que les étudiants développent? Et c'est plus de la communication, je veux dire, pour apprendre aux étudiants à vendre leurs compétences et aux écoles de vendre leur formation aux entreprises. Oui, évidemment, il faut qu'on communique sur ces nouveaux métiers, quoi qu'il arrive. C'est pour ça qu'éventuellement, nous, on travaille à 5 là, dans ce domaine-là. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que c'est spontanément. Là, on a des partenaires industriels qui viennent nous chercher pour ces nouvelles compétences-là. Et finalement, on a fait quelques tests, ça a très bien marché et hop, ça commence à partir. Voilà. Mais au départ, nous, c'est plutôt une demande des partenaires industriels. Hein. Oui, enfin, d'une manière très générale, parce que j'ai rien à dire de précis sur le placement dans les conseils, etc. Si ce n'est que dans nos masters qui sont un peu loin, je parlais du RSE, responsabilité sociétale des entreprises, éco-conception, éco-construction. Tout ça, c'est des masters qui marchent très bien, c'est-à-dire qu'ils sont en apprentissage, les trois. Et les étudiants, souvent, soit sont embauchés dans l'entreprise dans laquelle ils ont fait l'apprentissage, soit globalement dans les 2 ans qui suivent ont un travail dans leur discipline. Quoi. Et d'ailleurs, d'une manière générale, à l'université de Cergy-Pontoise, c'est une des meilleures en France dans les classements de placement d'étudiants après le master, de placement professionnel. Voilà. Et plus généralement, tout à fait, je vais redire ce que vous avez dit, je suis tout à fait d'accord, les problèmes de géologie et d'imagerie d'un sous-sol qui est invisible sont des problèmes très complexes où on doit gérer des données qui viennent de partout, toutes sortes de données, des données molles, des données incertaines, des données très précises au contraire, mais très ponctuelles, toutes sortes de choses. Et
le fait d'avoir passé des années d'études dans un environnement où les données sont si complexes me paraît une excellente formation pour ensuite travailler dans toutes sortes de domaines. Et en plus, en géosciences, c'est peut-être l'avantage qu'il y a aussi par rapport à la physique, à la chimie, ou aux mathématiques, à l'informatique. C'est que dans les géosciences, il y a de la place pour pratiquement tous les talents. Vous pouvez être quelqu'un qui est plutôt un naturaliste, vous allez trouver quelque chose. Vous êtes quelqu'un qui aime bidouiller l'électronique, on aura besoin de vous. Vous adorez le traitement du signal et la programmation, il y a une place pour vous, etc. Oui, moi, ce que je voudrais rajouter par rapport à ce que tu disais, c'est qu'effectivement, on est parfois surpris, nous, quand on voit les contrats d'apprentissage arriver, par les entreprises qui vont nous prendre des apprentis. C'est-à-dire qu'on peut avoir, comme on fait de l'imagerie du sous-sol, ou comme on va faire de la chimie ou de la géochimie, eh bien, on a des entreprises de type BTP, SNCF, qui veulent imager le sous-sol, ou alors on va avoir des entreprises qui vont traiter, qui veulent valoriser, par exemple, soit des déchets ou qui veulent valoriser des matériaux. Ce n'est pas forcément des entreprises auxquelles on aurait pensé, parce qu'ils ne sont pas forcément dans nos cœurs de métier, et pourtant ils viennent chez nous, justement, rechercher ce cœur de métier qui va être l'imagerie du sous-sol ou autre. Donc on voit finalement, nous, avec l'évolution là, au niveau des métiers de techniciens supérieurs, eh bien, arriver des entreprises auxquelles on n'aurait pas pensé au départ, qui s'éloignent finalement du cœur de métier. Mais en fait, comme on disait, on a une discipline qui est à l'interface de tellement entre la physique, la chimie, la biologie, que finalement, on a beaucoup, le vivier en fait d'entreprises est relativement large. Et on s'en rend compte au fur et à mesure, finalement, de l'évolution d'une formation. Oui, je voudrais compléter un petit peu ça. Nous, c'est pareil. On voit arriver pour nos stages de fin d'études, pour nos Master 2, qui sont a priori ressources minérales, bon, surtout les minerais, j'ai envie de dire, les minéraux industriels. On voit arriver Eurovia, Cemex, Lafarge, etc., etc. C'est très bien. C'est très bien. Ils font faire à nos étudiants des travaux au départ. Des fois, on n'est pas très, très optimiste. Et puis finalement, allez, dans 9 cas sur 10, ça se passe très bien. Ça veut dire que ce qu'ils cherchent, on le sait parce qu'on en a discuté avec eux, ils cherchent justement l'approche du terrain. Quelqu'un qui sache lire le terrain, après développer les logiciels, développer toutes les modélisations. Là, il y a toutes les compétences, il n'y a pas de souci. Mais ils ont des soucis pour trouver justement quelqu'un qui sache lire le terrain de façon correcte et complète. Et c'est, bon, c'est un créneau qu'on développe, qu'on essaye évidemment de renforcer. Et c'est ça que beaucoup cherchent. Et donc, c'est évidemment, on en est très satisfait et ça se passe très souvent bien. C'est la semaine prochaine qu'ils vont soutenir le 14 et 15 aux étudiants. Bon, il y a, j'ai envie de dire, il y aura 50% de travaux publics, entre guillemets, alors qu'on n'est pas vraiment spécialisé en travaux publics. Hein. Et ça se passait, bon, ça s'est passé bien. Sinon, s'il y avait eu des soucis, on aurait été au courant. Je me permets de compléter aussi sur le vivier de nos étudiants. On recrute tous, effectivement, sur différents types on va dire, de formation initiale. Au niveau des écoles, on recrute sur les fameuses BCPST, donc avec des profils naturalistes, mais on émarge de plus en plus sur les profils MP, PC, PSI, donc les cursus un peu plus maths physique. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que nos élèves, ils n'arrivent pas là par hasard. Et ça, je pense que c'est hyper important, c'est-à-dire qu'ils ont choisi la géologie, les géosciences, et ben, mine de rien, ça change quand même beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on a des élèves qui sont extrêmement motivés, qui, quelque part, ont déjà aussi un petit peu en tête leur projet professionnel. Et ayant fait plusieurs types de formations, je sais que c'est différent en géosciences. Et du coup, on les amène à leur projet professionnel qui peut être très libre. Et du coup, moi, je ne suis pas capable de vous donner deux bulletins d'élèves identiques à l'école de géologie, par exemple. Hein, parce qu'ils ont choisi un projet, un stage, parce qu'ils sont partis faire un double diplôme, un Erasmus. Mais ils ont cette envie. Ils font de l'entrepreneuriat. Enfin, voilà, ils ont quand même un petit peu des choses en tête au départ. Et ça change pas mal de choses. C'est-à-dire qu'on a des gens motivés qui savent répondre à des défis qui sont effectivement hors des métiers un peu standards qu'on pourrait afficher. Quoi. Je propose qu'on prenne une deuxième question dans la salle. Merci. Philippe Boncalvez de l'Université de Franche-Comté. Donc je participe au CMI de cette université. J'ai était aussi responsable du master de géologie appliquée par apprentissage. Donc, on a beaucoup de points en commun et je serais ravi de partager les camemberts avec vous. Merci. Alors, moi, j'ai une question sur l'innovation. Donc, une des missions des CMI en particulier, c'est d'intégrer la R&D, l'innovation dans le cursus. Et en fait, j'ai deux questions. C'est par
quels moyens vous comptez l'intégrer et quand dans le cursus? Puisque moi, j'ai amené, alors vous m'excuserez, les étudiants, j'ai amené des étudiants de CMI de deuxième année parce qu'ils ont un projet à monter, ils doivent développer une conférence, une demi-journée de conférence sur l'intelligence artificielle et les applications en géosciences. C'est pour ça que je les ai amenés ici. Mais j'ai amené des étudiants de L2. Donc vous m'excuserez, des étudiants qui ne savent rien. Et souvent, quand je discute avec mes collègues, grosso modo, la recherche, l'innovation, elles doivent venir à la fin de la licence, où on avait le sacro-saint TER, le travail d'études de recherche, mais à la fin de la licence, quand l'étudiant il sait. Ou alors en master, où là c'est bon, il a les bases, il peut faire de la recherche et du développement. Mais ma question c'est, est-ce qu'on ne fait pas une erreur et est-ce qu'on ne devrait pas intégrer ça beaucoup plus tôt, justement pour qu'il développe ce sentiment d'entrepreneuriat? Mais si c'est ça, c'est comment on fait pour faire de l'innovation de la R&D avec des étudiants qui ne savent rien? Un peu provocateur, mais... Au moins, ils n'ont pas d'a priori et pas de biais. Je pense que mes étudiants savent, un minimum. Donc, c'est vrai qu'on les a à un niveau différent, peut-être. Hein. Voilà, ils arrivent effectivement à Bac plus 2, hein, on va dire, chez nous. Mais par contre, la recherche, elle est inhérente à la formation. C'est-à-dire, alors, je parle pour mes collègues, mais on a des projets recherche en deuxième année, en troisième année, avec les élèves en laboratoire pendant des périodes bloquées. On a des possibilités de stage en laboratoire. Et puis, à nouveau, on a ce qu'on appelle, alors, un terme, la masterisation de nos troisième années, hein, qui est peut-être un peu étrange par rapport à des CMI, hein, mais nos élèves peuvent suivre à la fois une troisième année tout en suivant un master. Donc, c'est-à-dire que là, on transforme quelque part les projets R&D entreprise en projet de recherche. Donc, enfin, je pense qu'en tout cas dans nos écoles, c'est intégré, peut-être pas en première année, mais en tout cas deuxième année, troisième année, c'est même obligatoire, on va dire. Voilà. Oui. les CMI, et, vous auriez pu le dire, ce que je vais dire, ils existent dans un milieu universitaire. Donc, qui est un milieu académique de penseurs libres, je dirais, globalement. Et l'idée des CMI, c'est de tirer parti de la culture et des valeurs des chercheurs académiques, pour former des élèves au métier de l'innovation, du développement, de l'entreprise, au métier d'ingénieur en général, avec une culture de chercheur, puisque c'est celle qu'on a. Et l'idée, c'est de les sélectionner dès le bac, juste au bac, et dès la première année, de les mettre dans des stages, dans des projets, etc. Alors évidemment, en première année, on va faire un projet simple, projet de bibliographie par exemple, déjà commencer à apprendre à faire une bibliographie. Donc là, on n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit. C'est justement le but du projet, c'est d'apprendre à se renseigner sur un sujet. Voilà, comment on fait? Comment on va chercher de l'information, etc. Puis des petits stages. Les CMI ont accès au laboratoire de recherche en permanence, puisqu'ils ont une salle à l'intérieur du laboratoire, à côté des bureaux des chercheurs, il y a une salle en accès libre où ils peuvent venir quand ils veulent. Et donc, ils sont tout de suite auprès des chercheurs et ils vont prendre le café avec les chercheurs et donc discuter au quotidien avec eux. C'est toute l'idée des CMI. Et en même temps, il y a un effort fait vers les métiers d'ingénieur, donc de sortir un peu de nos métiers académiques habituels et d'aller vers l'ingénieur. Et ce qu'on voit, c'est que les écoles d'ingénieurs, finalement, font la même chose, c'est-à-dire qu'on est en train de tous converger vers des formations où les écoles d'ingénieurs vont tirer vers une formation plus recherche, envoyer leurs étudiants dans des projets de recherche, dans des laboratoires de recherche, dans des masters. D'ailleurs, on a une étudiante de la salle qui a rejoint notre master 2 Géoscène cette année. Et nous, on envoie nos étudiants et on les forme vers un peu plus d'ouverture socio-économique et d'activité d'ingénieur. On voit une convergence. Oui, il y a quand même une différence que je voudrais souligner, c'est que mes collègues, là, c'est de l'ingénieur. Ça veut dire que les étudiants que vous les avez sélectionnés, vous avez fait un concours d'entrée. Nous, à l'université, on n'a pas de concours d'entrée. On prend tout le monde. On n'a pas le choix. Ça veut dire qu'on en a, moi j'en ai en première année, j'en ai 400 en face de moi. On sait très bien qu'il y en a 300 qui sont là et qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Ça, on le sait.
Heureusement, une bonne partie d'entre eux vont découvrir la géologie, la biologie, la chimie, parce que c'est au début, c'est complètement mélangé. Bon, c'est très bien, c'est une très bonne chose. Ça veut dire qu'en première année, ils ne sont pas du tout mûrs pour intégrer du R&D. En deuxième année, c'est beaucoup trop juste. Donc, on peut commencer, à mon avis, qu'en troisième année. Et là, effectivement, lorsqu'ils sont plus, heureusement, donc, se découvrir un projet professionnel, bon, ce qu'ils veulent faire, à ce moment-là, oui, bien sûr, on les aide. Il y a des journées d'entrepreneuriat, il y a des journées où on fait venir des industriels, il y a des journées de discussion avec des professionnels pour voir ce qui les intéresse, les corps de métier, ça, on le multiplie, c'est très bien. Hein, et les chercheurs, justement, de l'ISTO participent à l'enseignement dans leur discipline pour leur faire voir un petit peu ce que c'est que ce métier auquel ils pourraient, si ça les intéresse, auquel ils pourraient, dans lequel ils pourraient s'engager, etc. Donc, à mon avis, il faut vraiment différencier ce qui est franco-français entre les universités et les écoles d'ingénieurs. Et ça, au départ, on ne part pas avec les mêmes effectifs. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord, en tout cas pas avec l'expérience que j'ai dans mon université, parce que dans mon université, on a ce qu'on appelle des dispositifs d'excellence. On a des stages de recherche dès la première année, en deuxième année également. Donc ça, c'est fait effectivement pour les meilleurs étudiants, c'est-à-dire ils doivent avoir une certaine moyenne, et ils ont la possibilité justement de venir faire un stage de recherche d'un mois dans un laboratoire. On a également dans notre labo, par exemple, des start-up, fait par des étudiants qui ont passé leur thèse dans le laboratoire et qui ont ensuite monté une start-up qui est hébergée dans le laboratoire et qui prennent justement des étudiants en stage de recherche. Donc c'est un mois, deux mois en deuxième année. Après, les étudiants qui n'ont pas, à la limite, une moyenne suffisante, parce que ces stages-là sont rémunérés, c'est l'université qui les propose. S'ils n'atteignent pas la moyenne de 16, par exemple, pour faire ces stages-là, mais s'ils sont motivés, on propose également, dès la première année, en fait, de venir faire des stages dans leur cursus. Alors, ça peut être typiquement pour accompagner des chercheurs sur le terrain lors des missions d'été, pour placer des stations GPS. Donc, en fait, on le fait dès la première année, que ce soit par des dispositifs qui sont déjà prévus par l'université ou bien pour les étudiants motivés qui viennent nous voir. On a suffisamment, on va dire, de projets de recherche financés pour pouvoir payer, on va dire, un mois ou deux mois de recherche pour des étudiants de première ou de deuxième année. Alors, je dirais que même s'ils ne savent pas énormément de choses, s'ils sont super motivés, c'est aussi un bon moyen pour eux de venir voir ce qui se fait en termes de recherche, que ce soit au niveau du laboratoire ou des start-up ou même dans une entreprise. Voilà. Je pense qu'il faut aussi que ce qu'on peut préciser, c'est à nouveau peut-être pour les écoles d'ingénieurs, c'est qu'on peut imaginer trois profils d'élèves, des profils d'élèves qui effectivement vont vers la recherche en faisant ces masters en troisième année, qui terminent finalement avec des thèses. Hein. Moi j'ai 10% de mes élèves qui font une thèse à la sortie du diplôme. Je pense que Léos c'est 30, c'est, je ne sais pas si elle est encore là, Florence, 30%. Enfin voilà, donc on a des pourcentages quand même non négligeables d'élèves qui arrivent en thèse, mais c'est un choix de leur part. Par contre, on a des élèves qui veulent rentrer dans la vie active très rapidement. Et donc là, on a des cursus plus professionnalisants avec des contrats de pro, par exemple, qui sont posés sur les troisième années. Et puis moi, j'aimerais un profil entrepreneur. Habib, tout à l'heure, disait qu'il fallait effectivement qu'on les accompagne, qu'on leur donne des billes. Donc ça, je pense que cette possibilité aussi de se diriger vers des profils particuliers, c'est ce qu'on doit leur permettre de faire. Oui, j'avais aussi une question pour vous. Dans le cadre de mes activités, je suis toujours très heureux d'intervenir dans les universités et je suis à chaque fois bluffé
par votre agilité à tout le temps changer les programmes, changer la pédagogie, intégrer de l'e-learning, enfin, à chaque fois vous remettre en cause. Et le résultat, si vous l'avez présenté, c'est d'augmenter la diversité des placements d'étudiants. Vous avez des camemberts où il y a de plus en plus de parts. Il y a quand même une part qui reste, c'est celle qui ne trouve pas de boulot en géosciences à la fin de vos formations formidables. Et ça, ça nuit à tous parce que ça donne aux élèves qui sont peut-être encore lycéens aujourd'hui peu de motivation à embrasser les géosciences. Alors je voulais savoir ce que vous faites pour limiter ce taux alors qu'on est dans une industrie qui est une industrie de matières premières, qui est une industrie cyclique et qui a la mauvaise idée de recruter que quand ça va bien et qui oublie de recruter quand ça va mal pour le temps où ça va bien. Donc je voulais savoir comment vous faites face à cette difficulté. Donc juste pour l'école de géologie, je n'ai pas cette difficulté parce qu'on place très bien nos élèves. Par contre, effectivement, cette cyclicité, on l'a vu, hein, clairement. Par contre, je pense que la meilleure façon de répondre, c'est l'adaptabilité. C'est-à-dire que l'agilité, c'est aussi l'agilité des élèves à nouveau. Hein. C'est-à-dire que leur donner toutes les billes pour pouvoir rebondir. Si je croise les entrées à l'école par rapport aux débouchés et par rapport aux options suivies, c'est pas si simple que ça de faire des corrélations. C'est-à-dire quelqu'un qui commence en géotechnique peut aussi très bien terminer en eau et environnement. Voilà, donc ça, je pense que c'est ça qu'il faut préserver pour que justement cette employabilité elle soit pas dépendante de la cyclicité. Oui, ma réponse ira dans le même sens. Hein. Lorsque Areva nous prenait beaucoup d'étudiants en stage puis les embauchait derrière, on avait à changer nos cours, on les avait adaptés, on avait mis beaucoup d'uranium. Quand bon, ça s'est arrêté dans les années 2007-2008, que les matériaux de carrière et puis les minéraux industriels cherchaient du monde, on a effectivement adapté nos enseignements pour que les étudiants soient plus formés dans ces disciplines-là et donc trouvent du travail plus facilement. Bon, actuellement, à Orléans, dans le master, donc GCube, on est à peu près à 85% d'embauchés. Hein. Donc, je dirais à peu près 5-6% qui continuent en doctorat. Donc on considère effectivement on les considère dans les embauchés. Alors les 15% qui restent, là-dedans il y en a quelques-uns qui ne donnent pas de nouvelles. Bon, ça, on ne sait pas où ils sont. Et d'autres effectivement qui cherchent un travail. Bon, ils ont souvent des propositions, mais ce n'est pas ce qu'ils souhaitent. Bon, après c'est des choix personnels. Donc effectivement il y en a quelques-uns qui n'ont pas de travail, mais globalement au bout d'un an ou deux, je crois qu'on doit tomber vers 0 ou 1%. Mais ça, c'est un jugement que je veux optimiste de ma part, mais j'ai pas de certitude là-dessus. Non, absolument pas. On a 50% de filles dans nos promotions actuellement, donc ça c'est aussi un signe intéressant. Je vois pas du tout de corrélation filles-garçons. Un petit peu au niveau des salaires d'embauche, il y a encore du travail, mais pas de corrélation en tout cas pour ma part. Pour compléter ça, si vous visitez des mines au Canada, vous allez être très surpris de voir des femmes conducteurs d'engins dans tous les postes. Il n'y a pas du tout de discrimination là-bas. Ça, c'est clair. Même nos étudiants français en sont surpris, d'ailleurs. Donc, ça veut bien dire qu'il y a encore quelque chose à faire au niveau culturel, quand même. Oui, moi, je dirais qu'on n'a pas non plus tellement de problèmes, en fait, de... Pour les étudiants là, qui finissent par exemple en L3, de ne pas trouver du travail après, en général ils trouvent. On en a peut-être un ou deux là, sur la promo par exemple de cette année qu'on a eue. On va dire qu'il y en a qui choisissent de continuer. Hein, sur une promo par exemple de 10, il y en a 3 qui décident de continuer en master. Il y en a 5 qui sont en CDD ou CDI et 2 par exemple qui n'ont pas donné de réponse, voilà, qui n'ont pas, ou sur lesquels on a peu de suivi. Après, comme vous disiez, on s'adapte, c'est-à-dire qu'on a des formations qui sont en évolution constante. Par exemple, nous, au niveau de notre L3 Pro, chaque année, on met des choses nouvelles. On a des réunions avec les maîtres d'apprentissage en tout début d'année, c'est-à-dire avec les gens qui vont nous prendre, les industriels qui nous prennent des apprentis. Donc, on discute avec eux en amont, on discute avec eux en aval. Et on fait donc des formations qui sont en évolution constante, comme je vous disais tout à l'heure. Au début, nous, de notre formation, on avait plutôt, c'était plutôt le pétrolier qui prenait des apprentis. Puis, de plus en plus, on est allé vers la géotechnique. Donc, on a introduit de plus en plus de géotechnique. Ça veut dire, ça peut être des professionnels qui viennent nous faire des cours, mais on fait aussi des travaux pratiques de géotechnique. Donc, on s'adapte. C'est vrai que sur des petites formations, on peut se permettre d'avoir une évolution constante et chaque année d'introduire
de nouvelles, on va dire, thématiques dans l'enseignement en fonction du marché de l'emploi. Enfin, un dernier point là sur l'apprentissage, quand même, on est épaulé. Il n'y a pas que l'université qui s'occupe de ça, on est épaulé par ce qui s'appelle les centres de formation des apprentis, les CFA. Et si vous avez un CFA dynamique et efficace, vraiment ça fait la différence hein, pour les placer en apprentissage. Hein. C'est très important. L'autre point peut-être aussi, c'est que on a des formations. D'abord, vous avez donné une partie de la réponse en disant qu'on était agile et réactif dans nos enseignements. On fait intervenir des extérieurs aussi, ce qui nous permet là aussi d'être très réactif très vite. C'est-à-dire que si on veut créer un nouveau cours, souvent, si c'est un cours très proche de l'industrie, on va plutôt faire venir un industriel qui connaît bien le métier et qui va faire une partie du cours ou tout le cours. Et alors là, on a une réactivité très rapide. Et enfin, on a quand même des petits effectifs. Alors, je ne sais pas pour les écoles d'ingénieurs, mais dans nos masters, c'est souvent entre 10 et 20 élèves. Donc, d'une certaine manière, on fait du fauchon, quoi. Nous, c'est pas du hochon. Hein. Et donc, on peut faire un traitement très personnalisé des élèves, écouter ce qu'ils ont à dire et ouvrir nos carnets d'adresses et les aider vraiment à les placer un par un personnellement. Quoi. Voilà. Alors, le fauchon et le hochon, je n'accepte pas. Je n'ai pas dit. Voilà, on est bien d'accord, hein, tout ça. Non, mais bon, je préfère le préciser. Voilà, donc on fait du fauchon à nouveau quand je dis que j'ai pas deux élèves avec le même profil en sortie de diplôme. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. J'étais choquée. Ah bah bien sûr que non. On est bien d'accord. D'accord. Juste un mot, j'ai pas précisé les effectifs qu'on a. On est effectivement, nous, à des promotions de 20-25, dont la moitié va au Canada, la moitié choisit un cursus un peu différent et reste en France et fait beaucoup de stages de terrain au Maroc à ce moment-là. Mais c'est le même ordre que vous, c'est du 20-25. Hein, ce qui permet effectivement d'avoir une aide personnalisée pour ceux qui en ont besoin ou c'est plus facile de les passer, c'est sûr. Les effectifs aussi, moi j'ai 100 élèves par promotion. Voilà, donc, après les autres écoles, soit c'est un peu moins, c'est 30 je pense pour les hosts. 30. Excuse-moi Florence. 40-45, 30 à Polytech, une est la salle. D'accord. Et l'NCJ d'à Bordeaux, Alain est parti, mais je pense que ça doit être une trentaine aussi. 30, ah, c'est ça, voilà. Et peut-être aussi pour rassurer, sur le domaine de l'emploi, nous on a une difficulté, c'est on doit absolument faire bouger nos élèves malgré l'empreinte carbone. On doit ils doivent valider une mobilité à l'international dans les cursus ingénieurs. Et une des difficultés qu'on a, par exemple, pour notre option géotechnique actuellement, c'est que cette mobilité internationale, elle se fait évidemment lors des stages, lors de séjours académiques ou des choses comme ça, mais les stages, ça devient compliqué parce que finalement, les entreprises françaises nous les demandent. Et on est obligé de les faire partir à l'international. Et du coup, on a cette difficulté. Donc, c'est pour vous dire qu'on a de la demande et que finalement, on est presque contraint des fois avec notre cursus qui est un petit peu cloisonné. Quoi. Voilà. Moi, en fait, je voulais juste rebondir sur la barrière à l'innovation qui a été citée tout à l'heure. Une des difficultés, notamment lorsqu'on ne sait pas, c'est de convaincre des gens d'acquérir des données. En gros, ce qui coûte de l'argent, et c'est difficile de convaincre les gens, ou même les acteurs du sous-sol, et vous l'avez dit, c'est Judith, tu l'as dit, ça a été repris par tout le monde, on a beaucoup de données déjà dans le sous-sol. Et Equinor a récemment, il y a quelques années, donné l'intégralité des données d'un champ, de production, d'exploration. Ils ne sont pas allés jusqu'à la donnée brute, c'est dommage, mais des données au moins interprétées. Et je me dis que là, pour le coup, c'est une façon simple de faire tomber des barrières à l'innovation et de faire innover en dehors de tout cursus académique ou autre, avec des idées parfois complètement bêtes, et j'insiste sur le terme bête, mais pourquoi pas. Et en fait, c'est vraiment cette numérisation qui est dans le thème d'aujourd'hui.
Si on avait de tels analogues qui seraient même, pourquoi pas, les mêmes pour plusieurs universités, on pourrait à la fois bénéficier de la diversité de sensibilité et de formation, mais avec des tests qui seraient sur le même jeu de données, mais qui devraient être riches, qui devraient être denses, et qui permettraient quelque part de faire baisser les barrières à l'entrée. Donc ma question, c'est, est-ce que c'est dans le pipe? Est-ce que vous avez ça? Et est-ce que c'est intéressant? Je pense que c'est intéressant, tu parles de quelque part de jumeaux numériques, entre autres, hein, des sets de données. Donc on fait un appel aux partenaires industriels pour qu'ils nous donnent des blocs sismiques 3D, on va dire, pour jouer avec. Hein, ça, je pense que c'est dans le pipe, parce que, en tout cas, au niveau des écoles, on travaille sur des jeux de données particuliers. Oui, oui. Ben, après, les données publiques de blocs sismiques, sont pas, on les connaît. Non, mais je donne cet exemple-là. Mais effectivement, on pourrait imaginer qu'on puisse avoir des jeux de données un petit peu, justement, un peu idéaux ou propres pour faire de l'apprentissage. Oui, oui, bien sûr. Alors, c'est rigolo parce qu'on a, je pense, les mêmes idées arrivent toujours, on dit, à peu près au même moment. Cette année, par exemple, nous, dans la formation, c'est ce qu'on a demandé. On a mis ce qu'on appelle un projet personnel et on a demandé aux partenaires industriels de fournir des données qui ont été publiées, etc., pour que les élèves jouent dessus. Donc, ça commence à... Voilà. C'est quelque chose auquel ils ont répondu, pas tous, mais une partie a commencé à répondre positivement. Donc, c'est quelque chose, je pense, qui va peut-être effectivement se démocratiser ou... En tout cas, ça démarre. Voilà. Pour compléter sur ce sujet, c'est un problème qui a été identifié depuis longtemps et les associations professionnelles ont commencé à y répondre depuis plusieurs années puisqu'en organisant des concours à destination des étudiants, et je vais citer certains concours que vous connaissez peut-être, c'est par exemple pour la APG l'Imperial Barrel Award ou pour l'EAGE le Loridec Challenge. Ça consiste à donner un jeu de données à des universités qui doivent préparer l'interprétation de ces données et puis rendre publique cette interprétation. C'est un concours, il y a donc un lauréat. Mais l'avantage pour l'organisme, l'école ou l'université dont ces étudiants dépendent, c'est qu'à la fin, le jeu de données reste acquis. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup, alors c'est effectivement pas généralisé, mais il y a beaucoup d'écoles et d'universités qui travaillent maintenant sur des jeux de données industriels grâce à ça. Et je m'en rends compte lorsque je fais des entretiens de recrutement chez Total, par exemple, parce que lorsque les étudiants décrivent ce qu'ils ont fait d'appliquer dans leur cursus, c'est souvent sur des jeux de données qui sont les mêmes, quelle que soit l'université ou l'école dont ils proviennent. C'est en tant que membre de l'AGE que je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire, Valérie, et reconnaître qu'une certaine excellence de l'université française, puisque ce sont des concours mondiaux. Le concours de l'AGE a été remporté une nouvelle fois par les étudiants de l'IFP School. Et pour celui de l'APG, l'école d'ingénieurs de La Salle a été seconde cette année. Au niveau mondial. Voilà. Justement pour continuer sur ces concours, donc pour avoir participé moi à l'IBA avec l'ENSG, justement c'est vraiment une expérience complètement différente des cours qu'on peut avoir, des projets en cours qu'on a, où on développe effectivement des capacités directement applicables. Et justement c'est notamment pour l'IBA, je sais que les universités françaises, les écoles françaises sont peu représentées dans ces concours. Donc on a effectivement, une Nina Salle pour l'Imperial Barrel Award qui ont bien marché cette année. Mais et l'IFP qui participe aussi régulièrement. Le NSG, pas toujours à l'Imperial Barrel Award et pas du tout au Field Challenge, je crois. L'NCJ a déjà participé. Et voilà, et globalement, les universités françaises sont peu représentées dans ces concours. Donc peut-être davantage, volonté de participer davantage. Les élèves sont en école de terrain à chaque fois dans les créneaux là et donc c'est un peu compliqué. À nouveau les emplois du temps un peu surchargés, mais il faut qu'on travaille à ça, je suis d'accord. Oui, on est d'accord. Oui, je peux dire que ça se fait au Québec, c'est très nord-américain comme système. Ça se fait au Québec et nos étudiants y participent effectivement lors du congrès qui s'appelle
Québec Mine, hein, qui a lieu tous les ans au mois de novembre. Effectivement, il y a en général une douzaine d'universités qui ont un set de données de compagnies minières et tous sont chargés justement d'étudier ça pour faire le meilleur plan d'exploration minière possible. Et l'entreprise donne un prix, mais également récupère les 12 ou 14 propositions qui ont été faites par les étudiants. Mais c'est considérable, c'est quelques milliers de dollars pour des étudiants, c'est quand même pas mal, hein, pour deux jours de travail, parce que ça prend deux jours à peu près. Donc c'est très motivant, d'ailleurs c'est un gros succès, et puis en général ça se passe bien. Ouais, Jérôme Porfirio, est-ce que vous observez une évolution dans les envies des élèves qui vous rejoignent pour aller vers tel métier plutôt qu'un autre, peut-être moins de pétrole, je ne sais pas. Et est-ce que ces évolutions-là sont compatibles avec les besoins de demain des entreprises? À nouveau, enfin, j'en ai parlé tout à l'heure, mais effectivement, nos élèves arrivent maintenant, en tout cas avec des questions. C'est-à-dire qu'on ne s'engage pas n'importe comment dans les options. Géosciences pétrolières, c'est-à-dire. Donc ils arrivent quand même avec des questionnements, je pense, plus qu'avant. Nous, on est là pour... il faut absolument qu'on les renseigne, hein, et je pense qu'on peut être pédagogue par rapport à ça. Mais il y a ces aspects un petit peu voilà, sociétaux, je pense, hein, qui sont importants. Et je pense que l'entreprise, elle a tout intérêt à ce qu'un élève ou un étudiant soit sensibilisé à cette problématique. Mais oui, ils arrivent avec des... Enfin, à nouveau, de mon point de vue, ils arrivent avec des envies différentes, clairement. Ben, on change de nom. On s'appelle plus que géosciences. Maintenant, on dit géosciences et environnement. Et Sergi, on n'est pas les seuls à glisser vers le mot environnement. Il est clair que ça, c'est très fort comme demande de la part des jeunes qui arrivent. Le souci de l'environnement, la conscience que l'ère du pétrole doit changer, les sources d'énergie, etc. Donc, c'est pour ça qu'on glisse vers l'environnement, c'est pour ça qu'on propose un master qui s'appelle juste géosciences pour l'énergie, et on s'arrête là, on ne précise pas laquelle. Et en même temps, comme disait Habib El-Khatib, c'est totalement vrai, c'est-à-dire que les géosciences industrielles, depuis 100 ans, se sont développés principalement sur l'exploration et la production d'hydrocarbures et de minerais, et que tout le savoir acquis, il a été énorme, et ben, il va être, évidemment, on ne l'oublie pas. Et donc, quand on nous pose une nouvelle problématique, et bien, on part avec notre savoir qu'on va glisser, appliquer petit à petit vers d'autres problématiques industrielles. C'est ça qu'on leur explique. Et on leur explique aussi que, attention, et ça aussi, ça a été dit... par vous peut-être, c'est que les projections à 20 ans de la transition énergétique montrent quand même que dans 20 ans, on sera encore avec des hydrocarbures et que aujourd'hui, 80% du marché économique, il tourne encore sur les hydrocarbures et que le monde est ce qu'il est et que nous, universitaires, ou chaque personne... peut attendre que ça change, peut travailler vers le changement, mais que ce changement, il ne va pas se faire en deux ans. Hein. Que donc, aujourd'hui encore, les offres d'emploi, etc., vont rester beaucoup sur les hydrocarbures et les ressources minérales qui remontent, évidemment, parce qu'avec tout ce qui est électrique, les aimants, les moteurs électriques, les batteries, on a un renouveau de besoins minérales. Juste, moi, je suis assez contente quand même de ce changement parce que je pense que un élève qui arrive avec une conscience écologique et à qui on donne des bases scientifiques solides, c'est quelqu'un qui va pouvoir faire quelque chose concrètement là, pour notre transition énergétique, plutôt que de voir des gens qui en parlent, on va dire, à tort et à travers, sans background. Donc, je suis assez satisfaite de ça, moi, hein, clairement. Et c'est à nous de nous adapter. Oui, l'envie des étudiants, c'est clair que la conscience écologique, elle est en premier lieu. Maintenant, il y en a beaucoup aussi qui veulent faire de la mine. Ça veut dire que quand on met les deux côte à côte, ça veut dire qu'ils vont faire ce qui se fait heureusement de plus en plus dans le monde, c'est des mines responsables, des mines propres autant que possible. Et ça, c'est très bien qu'ils aient cette conscience. Parce que bon, on donne toujours les exemples de pollution, d'accidents miniers. Oui, malheureusement, ça arrive. Mais globalement, la situation s'est beaucoup, beaucoup améliorée. Donc malgré la situation en France où les mines métalliques, on sait ce qu'il en est, mais il y en a beaucoup qui veulent faire ça. Donc ils veulent faire ça en sachant qu'ils vont aller en Nouvelle-Calédonie, qu'ils vont aller au Québec, etc. Mais ça leur convient, comme choix de vie, en tout cas ça leur convient au début.
Il y a aussi, quand on parle des mines, enfin, je sais que nos élèves sont assez concernés par l'après-mine aussi. Et là, il y a du travail en France, hein, on va dire l'après-mine, la remédiation des sites et sols pollués, enfin, etc. Et ça, c'est aussi des métiers qui les intéressent. Oui, juste pour compléter, bah ça c'est aussi quelque chose qu'on fait au niveau des universités, c'est-à-dire qu'on fait à la fois, on va dire, de la prospection et de la protection, c'est-à-dire que la remédiation, ça fait aussi partie de l'enseignement que l'on fait. Et même quand vous parliez comment vont réagir les industriels, par exemple, pour citer le cas, par exemple, nous, de gens qui vont travailler dans les carrières, les industriels qui nous présentent une carrière, ils vont non seulement nous présenter la carrière en tant que carrière où on prospecte les matériaux, mais aussi la remédiation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait après. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est aussi finalement maintenant présenté par les industriels. C'est à la fois au niveau de la formation, je trouve, et au niveau des industriels. Pour compléter, c'est effectivement une demande qui vient des étudiants, d'avoir un sens dans ce qu'ils vont faire et puis un engagement environnement fort. Et ils ne l'expriment pas seulement auprès de vous qui êtes leurs interlocuteurs académiques, mais même lors des entretiens de recrutement. Il y a des gens qui viennent en entretien de recrutement et puis qui disent « mais quand même, j'ai envie de venir travailler chez vous parce qu'au niveau technique, je vais apprendre plein de choses. Il y a une technologie, une variété, une diversité de parcours exceptionnelle. Mais j'ai des états d'âme. Est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que je vais faire ?» Bon, je vois quand même que vous avez un message qui est... l'acteur principal de l'énergie responsable, donc vous vous ouvrez à d'autres types d'énergie, ça peut m'intéresser, mais ils ont vraiment ce questionnement. Et puis en fait, ils se rendent compte aussi que c'est peut-être en étant à l'intérieur de ces grands acteurs qu'il y a des budgets pour faire que les choses changent. Et typiquement, je vous donne un exemple, sur le stockage de carbone, c'est tout à fait les mêmes compétences que l'exploitation des hydrocarbures. Le stockage de carbone, ça va représenter dans les prochaines années 10% du budget recherche et développement total. Donc il y a aussi besoin de compétences géosciences dans des domaines qui sont traditionnellement vus comme un peu du passé et puis pas très appréciés par les temps qui courent. On a tendance à les sabrer. Enfin, il n'y a pas que le pétrole, il y a aussi l'agriculture, il y a beaucoup de secteurs qui sont comme ça mal vus. Et pourtant, il y a besoin de compétences. Et c'est dans ces secteurs-là où il y a des compétences et des moyens que des jeunes peuvent entrer et faire être des acteurs du changement et pas seulement en arrière et spectateurs. Dans cette gamme de compétences un petit peu différentes par rapport aux industriels, en discutant, on va dire, de temps en temps avec les anciens que je retrouve en entreprise, une des remarques que j'ai régulièrement, c'est l'école nous a absolument pas appris à prendre en compte le RSE. Et ça, c'est des choses aussi qu'il faut, je pense, qu'on arrive à faire passer dans nos enseignements, parce que c'est apparemment, c'est la grande découverte. L'entreprise se préoccupe de la sécurité, on va dire, au travail, typiquement. Nous, on les forme tous à la certification santé, sécurité, travail, et donc c'est déjà un premier pas. Mais cet aspect RSE, je pense qu'il faut qu'on peut monter encore en puissance aussi, et ça peut être important pour les industriels qui les embauchent. Oui, j'avais une question, Lucia Levato. En fait, je me demande si vous avez observé une décroissance dans les inscriptions ces 5 ou 6 dernières années, par curiosité. Je peux en parler parce que ça me concerne. J'ai observé une baisse effectivement des inscriptions à l'école. Je pense que, et on est ici à la SGF, entre autres, pour mettre en place un projet de travail sur les métiers, hein, sur les compétences métiers, parce que je pense qu'il faut qu'on réexplique ce qu'on fait. C'est quoi un géologue? Les gens ne savent pas. Et on a le problème là, et on a le problème donc avec les enjeux sociétaux, le pétrole, et les mines, etc. Mais on a aussi le problème de la réforme du bac, hein, clairement. Le SVT, dont le T était déjà pas bien vaillant, diminue, on va dire, à vue d'œil. Et donc, je pense qu'il faut absolument qu'on aille, même en primaire, en collège, il faut qu'on réexplique ce qu'on fait et qu'on n'est pas tous des sismologues, des paléontologues, hein, et qu'il y a effectivement, évidemment, ces métiers sont importants, mais qu'on a une diversité extrêmement riche de métiers en géosciences. Mais je pense qu'il faut qu'on ait cette démarche, c'est important. Et, alors, est-ce que c'est la raison de la baisse des inscriptions ? Pour les collèges de géologie, c'est les SVT donc, qui baissent. Hein. Par contre, les gens plus de maths, physique, chimie, eux, augmentent. Mais il ne faut pas qu'on perde ce côté naturaliste. Donc, on a de l'explication de texte à faire, je pense. Alors, pour répondre à la question, non. On n'a pas de baisse des effectifs. Ils sont stables, à peu près entre 20 et 26, 27 par promotion.
mais ils viennent de toute la France, en Master 1 et 2. Il n'y a pas que les Orléanais, hein. Il y a souvent qui arrivent de partout, de Nice, de Strasbourg, de Brest, de Rennes, c'est assez fréquent, de Paris. Hein, donc il y en a un peu partout. Les ressources attirent. Quand on leur demande pourquoi vous venez, c'est les ressources minérales. Bon, c'est la collaboration avec le BRGM qui, effectivement, est très, très efficace. Et on n'a pas, de problème de recrutement, j'ai envie de dire, pour l'instant. Peut-être juste pour compliquer, pour compléter. pardon. On complète nos promotions par ce qu'on appelle des étudiants en admission sur titre, qui arrivent en deuxième année. Et ça, c'est des étudiants internationaux, parce que, contrairement aux étudiants français, on a des demandes extrêmement importantes pour les métiers du pétrole et de la mine qui arrivent à l'école. Je pense au Kazakh, à l'Ouzbékistan. Et donc, on a une population de 20 élèves supplémentaires qui nous rejoint en deuxième année. Donc, cette baisse d'effectifs en France, elle n'est pas forcément, mondiale. Hein. Donc, il faut qu'on travaille en France sur l'attraction de nos métiers. Mais par contre, on a des demandes internationales de formation sur des thématiques, quelque part, que nos étudiants fuient. Hein. Oui, bah en deux mots, chez nous, et là je parle que chez nous, donc ça vaut ce que ça vaut, on a vu une baisse d'étudiants en licence. Et en même temps, beaucoup de demandes d'étudiants étrangers qui viennent rejoindre la licence en deuxième ou troisième année. Au master, non, on voit pas de baisse, mais c'est des masters environnement, comme je l'ai dit, qui placent bien, qui font de la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, des choses comme ça. Et là, c'est plutôt croissant au niveau master. Oui, nous, au niveau master, c'est pareil. Alors, peut-être qu'il y a eu une petite baisse, mais il y a pas mal d'étudiants étrangers. Hein. Ça, c'est vrai qu'on voit arriver des étudiants, par exemple, pour nous, à l'Université Grenoble-Alpes chinois. On a beaucoup d'étudiants qui viennent d'Amérique du Sud. Et voilà, donc on a effectivement des étudiants, de plus en plus d'étudiants étrangers. Karine ? Attends, je vais te donner le micro s'il n'est plus là. Je le ramène après. Merci. Moi, j'avais une question plus peut-être pour Judith Sauce qui tout à l'heure a parlé des géosciences pétrolières, alors qu'il va combiner à la fois la baisse des étudiants français à l'entrée à l'école et l'aspect sociétal qui fait qu'il y a peut-être moins d'étudiants en géosciences pétrolières. Donc, est-ce qu'il y a une diminution des promos de géosciences pétrolières ou est-ce que c'est compensé par les étudiants étrangers, justement ? Alors oui, il y a une baisse des populations. Au passage, l'option a changé de nom, elle s'appelle géologie des énergies. Et on ouvre vers le stockage, hydrogène, CO2, etc., chaleur, et puis la géothermie, évidemment. Actuellement, on a donc on va dire on visait 20 étudiants. Là, on a 6 étudiants français de l'école. Et par contre, les étudiants qui complètent les 20, ce sont des étudiants qui arrivent avec le master, et qui sont effectivement souvent internationaux, en particulier les Kazakhs, les Ouzbeks, les Birmans, les Malais. Les pays où on produit encore beaucoup d'hydrocarbures. Ça marche ? Ah oui. Vous avez parlé précédemment d'élèves qui, en cours de cursus d'école d'ingénieurs, pouvaient se tourner vers la fin, vers des formations plus universitaires. Mais qu'en est-il du cas contraire où des élèves en formation universitaire aimeraient se tourner vers des... écoles d'ingénieurs. Alors c'est ce qu'on appelle l'admission sur titre. Donc par exemple à l'école de géologie, on pratique des étudiants qui sortent de L3 peuvent candidater en admission sur titre et intégrer la première année d'école. Des étudiants en fin de M1 peuvent candidater en admission sur titre et intégrer la deuxième année de l'école. Par contre, en termes de nombre de places réservées à ces étudiants-là, par exemple pour ma promo de 100, c'est 5 et 5 dans les deux cas. Donc c'est des petits effectifs, mais c'est possible. Restez comme ça, ne nous piquez pas tous nos bons étudiants. Oui, Jacques Deverchère de l'Université de Brest. Moi, je voulais revenir sur cette question du problème de l'attractivité quand même des formations géosciences. Et la question est, forme-t-on assez de scientifiques ou de professionnels en géosciences en France ? Et moi, je dois dire que je suis quand même assez inquiet. Alors, vous représentez probablement des établissements qui ont fait beaucoup par des dispositifs propres, par des EPIC dans le voisinage, etc., ou les dispositifs CMI. Mais dans beaucoup d'universités, il y a quand même des effectifs très faibles dans les géosciences par rapport à la biologie, par rapport à d'autres champs disciplinaires. Et il y a des réelles difficultés de recrutement avec une baisse de niveau quand même dans les universités, hein, généralement quand même. Donc je me demandais qu'est-ce qu'on peut faire quand même
faire de la publicité dans nos établissements, aller dans les écoles, aller dans les lycées, certes, c'est une des façons de réagir, mais je me demande si c'est suffisant quand même par rapport au défi des géosciences, où souvent la diversité des métiers n'est absolument pas perçue, et surtout dans une vision de transition énergétique, sociétale. Nos métiers ont un rôle évident à jouer, très important. Donc je me demandais, quel est votre avis sur une façon de changer de dimension un petit peu? Est-ce que c'est généraliser les dispositifs CMI qui existent, mais qui sont assez peu nombreux quand même en France? Quelle est votre suggestion peut-être sur l'utiliser mieux les ressources numériques? Vous répondez par le terrain, mais il faut des gens, ça coûte quand même assez cher. Est-ce qu'il n'y a pas le numérique ne peut pas prendre le relais du terrain? Nous, on s'interroge par exemple sur l'imagerie sous-marine pour donner une idée des diversités des processus sous la mer en utilisant des dispositifs immersifs numériques. Est-ce qu'on n'a pas à dynamiser ça un peu autrement, quoi? Voilà, quel est votre point de vue là-dessus? Oui, il y a plusieurs choses dans votre question. Le fait qu'il y ait plus de biologistes que de géologues, heureusement, parce que le marché de l'emploi en géologie, il est quand même beaucoup plus limité qu'en biologie, donc ça me soucie pas. Maintenant, comment est-ce qu'on peut y répondre? Eh ben, il y a une donnée que je n'ai pas, moi, quelle est la vision claire aujourd'hui des postes en géologie, en géosciences, dans l'industrie française? C'est un petit peu pour avoir des éléments de réponse que je suis venu ici. Je ne sais pas aujourd'hui combien Total voudrait embaucher de géologues dans les 5 ans qui viennent, combien Terreal ou bien d'autres grandes boîtes comme Bouygues, enfin Lafarge ou autres pourraient en embaucher. Je ne sais pas. Donc, les adapter, c'est difficile. Maintenant, on a trouvé une solution, c'est justement des spécialités dans les universités. C'est sûr qu'il y a certaines spécialités où avoir des embauches, c'est beaucoup plus compliqué que dans d'autres. Donc, nous, à Orléans, on a joué sur les ressources minérales. Ça marche. Espérons que ça va continuer à marcher. Mais j'ai pas de solution, moi, à proposer aujourd'hui pour une meilleure adaptabilité. Mais je maintiens que le terrain... je vois bien que les industriels souhaitent des gens qui savent se lire le terrain, s'adapter. Alors je conçois que quand on fait de l'exploration sous-marine, oui, c'est mieux d'envoyer des logiciels, mais bon, c'est plus facile sur Terre. Par contre, on peut encore le faire de façon correcte. Mais c'est un investissement, hein. Moi, je vais vous donner l'exemple. Donc à l'OSUC, à l'Université d'Orléans, le terrain représente 78% de nos frais de fonctionnement, hein. Donc c'est énorme. Mais ça, on est bon, tous les collègues enseignants-chercheurs, on est d'accord pour faire cet investissement. Hein. Donc, mais c'est pendant combien de temps on pourra le maintenir? Là, on commence un peu à être inquiet. Oui, c'est exact. Et nous savoir combien de géologues seront demandés dans le marché dans les 5-10 ans qui viennent, je n'ai pas la réponse. Et je voudrais bien en avoir au moins des éléments. Je pense qu'il faut effectivement qu'on fasse de la communication. À nouveau, je parle pour mon école. C'est une école qui a 110 ans, qui est très belle, qui est historique. Les anciens la connaissent. François, ce matin, disait qu'on se parle entre nous. On se parle entre nous, effectivement. Et je pense qu'il est temps que l'école, par exemple, de géologie, elle remette un petit peu les choses sur le papier, qu'on effectivement se donne les moyens de faire... de bien expliquer nos métiers, hein, parce qu'à nouveau, il faut qu'on explique. C'est aussi à nouveau pour ça qu'on est là aujourd'hui à l'ASGF, hein, avec les 4 autres les écoles, pour essayer de préparer une exposition. Hein, donc on a ces envies de communication. On va se rendre aussi à la journée nationale de l'APBG, qui est l'association des profs de biologie-géologie, parce que je pense que c'est eux qu'il faut qu'on touche. Hein. Enfin, nous, on les récupère après classe préparatoire. Donc les profs de lycée, les profs de prépa sont des gens qu'il faut qu'on convainque. Hein. Ils font un peu la loi, on va dire, hein, en orientant les élèves. Donc il faut qu'on communique aussi avec ses collègues et qu'on réexplique les choses. Je ne pense pas que dans les programmes actuellement de SVT, des classes prépa ou de lycée, on parle d'intelligence artificielle. Est-ce qu'on parle de remédiation après mine? Je ne suis pas sûre. Donc je pense qu'il faut qu'on mette nos nez dans nos programmes avec le peu d'influence qu'on pourra avoir. Hein, mais il faut qu'on accompagne ça d'une façon ou d'une autre, et la communication, c'est fondamental. Oui, je pense qu'on a à travailler là-dessus, hein, parce que les universitaires, on a eu aussi un peu tendance à négliger peut-être tout l'aspect formation, c'est-à-dire que en tant qu'enseignant-chercheur, on doit aussi continuer la formation, faire de la formation continue auprès des profs du secondaire, c'est-à-dire qu'il faut y aller, quoi. Il faut proposer des formations, alors que ce soit sur le terrain, parce qu'ils sont très demandeurs,
Donc ça, c'est quelque chose qu'on a un peu négligé en étant un peu dans les dans nos hautes sphères. Et c'est vrai qu'après, on voit un petit peu les, comment dire, les résultats. Donc ça, c'est vrai qu'on se pose la question de savoir comment arriver à mieux communiquer. C'est-à-dire que quand il y a des journées, des salons du lycéen, quand il y a des fêtes de la science, quand la moindre manifestation, on essaye maintenant, nous, d'avoir des un responsable en local qui va s'occuper justement des différentes manifestations. Enfin, vraiment, oui, il y a de l'aspect com, hein, quelqu'un qui s'occupe de cet aspect-là, qui est dédié vraiment à ça, pour pouvoir toucher le plus grand nombre, quoi. Et même encore en amont de ça, je suis un peu surpris. Enfin, il y a quelque chose de paradoxal, c'est que les professeurs de SVT, comme tous les professeurs de lycée, sont formés à l'université, dans les masters qu'on appelle MEF aujourd'hui. Donc, c'est nous qui formons les professeurs de SVT. Et curieusement, ils arrivent et on dirait qu'ils oublient la géologie en arrivant dans leur cours, quoi. Donc là, il y a à suivre des programmes, il y a des réformes. Et souvent, ces gens-là sont d'abord des biologistes. La plupart de ceux qu'on recrute pour les masters SVT sont des biologistes à qui on va enseigner un petit peu de géologie. Voilà. Et donc, effectivement, ils ont une préférence aussi pour la biologie. Pour compléter, je pense que c'est effectivement un problème de communication, mais qui n'est pas seulement un problème de communication au sein de notre communauté, puisque nous, on est déjà convaincus, on sait ce qu'on fait. C'est vraiment un problème de communication vers le grand public, parce qu'on se retrouve dans une situation où les gens assimilent les géosciences à de l'intervention sur du sous-sol, des objets naturels, et donc un truc pas bien, alors qu'au contraire, on est les fournisseurs de solutions, peut-être pas seulement, mais on est ceux qui peuvent contribuer à faire en sorte qu'on remédie à tout ce qui nous attend en termes de changement écologique, climatique, transition énergétique. On a vraiment les clés pour répondre aux problèmes qui nous attendent. Et paradoxalement, on n'est pas du tout perçu comme ça. Donc je pense qu'on a presque individuellement dans notre communauté un rôle à jouer d'explication de texte, ce que c'est qu'un métier de géologue. La plupart des gens confondent avec archéologue déjà. Et puis montrer que finalement, on peut apporter quelque chose. Et la SGF, je pense, a compris ça, puisqu'il y a un financement depuis 2 ans, je crois, Solange, et une forte participation au moment des journées de la géologie en France. Donc ça, c'est des actions locales, et chacun d'entre nous, on peut participer à ça. Oui, j'allais dire, effectivement, c'est une des missions premières de la SGF que de promouvoir les géosciences, au niveau national notamment. Effectivement, on est souvent entre nous, mais la SGF a compris qu'il fallait communiquer vers le grand public et a mis en place l'année dernière la Journée nationale de la géologie. On prépare la 2e édition pour le printemps prochain et je vous invite tous à vous tenir informés de l'évolution de ce projet et surtout le rejoindre pour pouvoir présenter toutes les activités. Parce qu'il y a effectivement un patrimoine géologique à montrer, mais il y a aussi toutes les activités dont on a entendu parler ce matin qui peuvent être valorisées à cette occasion. Lorsqu'on a eu passé notre grand oral pour le concours iLab, qui est quand même une grosse subvention, je suis tombé dans mon jury sur quelqu'un que si j'étais provocateur, je dirais, je taxerais d'écolo, mais pas raisonné, et qui m'a dit oui, ce que vous présentez sur le rôle du sol dans la transition énergétique, c'est bien, c'est une super slide, bravo, vous présentez bien, mais qu'est-ce qui me prouve que c'est vrai? Qu'est-ce qui me prouve que vous allez le faire? Et ce que je lui ai répondu, moi, c'est que je lui ai dit: on est en France, et la France a la plus belle histoire des géosciences et du sous-sol possible. On a commencé avec les mines, ensuite on est allé dans du charbon. Derrière, quand l'énergie, ça a été du pétrole, c'est les mêmes qui ont fait du charbon, les Charbonnages de France et compagnie, qui ont créé des compagnies comme Elf, qui ont créé des compagnies comme Total. C'est ceux-là qu'on a retrouvés ici. Et derrière, quand on a dit, ah, finalement, le pétrole, c'est bien, mais il y a une énergie qui s'appelle le nucléaire, eh ben, on a vu des leaders mondiaux en France émerger. Et ils sont émergés d'où, ces gens-là? Bah, de chez nous. Donc, cette transition des savoirs que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est pas nous. Enfin, je l'ai dit à cette occasion-là. J'ai dit, ne nous croyez. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de suspicions sur nos intentions, mais il ne peut pas y avoir de suspicions sur notre passé. Donc, regardons déjà notre passé. Regardons qu'on a été capable d'accompagner n'importe laquelle des transitions énergétiques. Donc, si au moins vous ne nous croyez pas sur le fait qu'on va être capable d'être le moteur de la transition énergétique, soyez au moins d'accord avec nous qu'on va être capable de l'accompagner.
et qu'on sera s'adapter. Cette agilité des cursus que vous avez évoqués, pour moi, c'est de la com, je suis d'accord. Et s'entraîner à l'extérieur, à vos amis qui ne font pas du pétrole, n'hésitez pas de leur dire vous faites du pétrole, soyez provoquants, regardez comment ils répondent et entraînez-vous à faire ça. Et pareil sur les écoles, nous on est même allé dans un collège à Spotlight pour aller dans des journées comme ça, comme vous l'avez évoqué. Donc ça marche très bien ça. Peut-être un point pour rebondir sur ce que tu dis, c'est aussi, je vais leur mettre une pression d'enfer sur les épaules à tous les étudiants, là, c'est votre rôle aussi. Hein. Vous êtes des futurs scientifiques spécialisés avec cette conscience écologique, donc il faut que vous portiez ça aussi. Et une des choses qu'on doit faire aussi, c'est leur apprendre à faire de la vulgarisation scientifique. Des fois, quand j'échoue à des sous-tendances de projet, je leur dis, ben, pensez qu'il y a un journaliste de l'Est républicain, excusez-moi, je parle de Nancy, dans la salle. Est-ce que vous parleriez de la même façon? Et je pense que ça, c'est important. C'est-à-dire que les populations, à juste titre, en ont marre qu'on leur raconte n'importe quoi. Donc c'est votre rôle, c'est d'être le plus sérieux, le plus rigoureux possible, tout en préservant cette conscience écologique qui est fondamentale. C'est à vous de faire, là. Je ne vais pas parler de ça, je voudrais changer de sujet, mais je ne sais pas si je peux. Alors, je voudrais dire une dernière chose. Je l'impose. Il y a une chose dont on a très peu parlé et qui a été soulevée par une ingénieure pédagogique ce matin, c'est la poursuite en doctorat. Je dirais, ne vous auto-censurez pas. La politique globale de la France là-dessus, c'est de produire plus de docteurs dans les années à venir, beaucoup plus de docteurs. Et souvent, on pense que le doctorat, c'est réservé... à des penseurs un peu fous, à des gens qui, ou alors qui n'ont pas trouvé de boulot, je ne sais pas quoi. Non, allez-y, envisagez la possibilité de faire un doctorat. C'est 3 années qui sont payées correctement, pour travailler en tout cas, et qui vous amèneront vraiment c'est une aventure très intéressante, intellectuelle, où vous allez développer un projet personnel jusqu'au bout. Ça va être difficile, mais ça va vous donner vraiment un niveau au-dessus dans votre formation. On va prendre une dernière question qui vient d'un auditeur à distance. Oui, alors c'est toujours Marc Blaiseau qui nous envoie un message à destination de Judith Sauce et qui nous demande qu'est-ce qui va être mis en place en commun entre les écoles dans le cadre de l'Alliance, enseignants, stages de terrain, cursus partagés entre écoles, quelles spécificités respectives garderont-elles ? Alors, la réponse, c'est effectivement que pour l'instant, notre alliance, elle est plutôt faite dans un premier temps pour réfléchir ensemble sur des sujets qui nous préoccupent tous. Donc, effectivement, ce référentiel des compétences, on va dire, à définir des métiers, ça, il faut qu'on le travaille ensemble parce qu'on a les mêmes problématiques. On travaille donc typiquement à de la communication puisqu'on met en place une exposition. Après, quelque part, on a tous nos spécificités. Donc, pour l'instant, il n'est pas forcément prévu de faire des échanges, même s'ils existent déjà. Par exemple, on a un double diplôme avec les hosts, actuellement, qui est classique. Donc, ça, c'est des choses qu'on va continuer à faire, mais à nouveau sur demande. C'est-à-dire qu'un double diplôme avec les hosts, c'est 5 élèves sur ma promotion de 100. C'est-à-dire que c'est à nouveau des gens qui ont un souhait particulier. Donc, je pense qu'il ne faut pas qu'on généralise des partenariats parce qu'il faut qu'on garde nos spécificités. Par contre, il faut savoir écouter nos élèves et les accompagner sur un cursus un peu particulier s'ils le souhaitent. Hein, voilà, donc c'est plutôt comme ça qu'on le voit. C'est plutôt un travail entre directeurs avec nos élèves qui sont ici aujourd'hui pour travailler plutôt sur l'aspect compétences, métiers. Et puis, en termes d'école de terrain, comme on a effectivement ce point commun, on s'est dit que ça ne serait pas stupide qu'on fasse un catalogue, une cartographie de nos écoles de terrain. Et effectivement, pourquoi pas proposer à quelqu'un de Polytech Sorbonne de venir faire le stage de terrain de l'école de géologie ou l'école de géologie qui... Voilà. Donc ça, c'est mutualisation. Dans le cursus, ça serait plutôt au niveau des écoles de terrain pour les diversifier. Par contre, on a déjà des systèmes effectivement d'échange ou de double diplôme qui fonctionnent. Mais on va garder nos spécificités. À nouveau, on n'est pas concurrent, on est complémentaire. Merci. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci encore à tous les quatre. Voilà, donc on va clore la journée. Donc vous êtes invités à un cocktail dans la pièce à côté. Et merci beaucoup à tous d'être venus nombreux.